Je vais te parler de ta fille. Itché, je ne vais pas l'envoyer à l'école. Tu sais que notre fille, elle est tellement intelligente. Tu préfères d'autres qu'elle, dis-moi. Pourquoi? Elle n'est pas ta fille? C'est la question que tu me demandes? Je te demande. Si l'enfant ne m'apporte pas de l'argent, qu'est-ce que tu attends que je fasse? L'enfant qui n'apporte pas de l'argent. Tu ne vois pas Ruby. Regarde cette fille comme elle m'apporte de l'argent. Elle m'apporte suffisamment de l'argent. L'argent règne. Et tu as l'autre ici qui ne fait presque rien. Et tu continues à me demander. Hein? Écoute-moi bien, il est grand temps pour elle de quitter cette maison. J'en ai marre. Elle n'a pas fait depuis longtemps comme sa sœur. Hein? Elle doit quitter cette maison. D'ailleurs, laisse-moi vérifier si elle est déjà... Attends, mon mari, laisse-moi te demander. Tu ne cherches même pas à savoir comment Ruby gagne cet argent. Hein? Donc la seule chose qui t'intéresse, c'est son argent. Alors que tu ne sais même pas comment est-ce qu'elle gagne cet argent. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. A-t-elle un travail? A-t-elle un business qu'elle fait qui produit de l'argent? Non. Ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre. J'espère qu'elle ne doit pas dormir dans cette maison aujourd'hui. Après m'avoir causé tout ceci, elle ne va pas dormir. Je pars lui dire de faire sa valise. Mon mari, je t'en supplie, laisse cet enfant tranquille. Kéti, c'est ta fille. Envoie Kéti à l'école. Kéti n'est pas une étrangère, c'est ta fille. Elle est ta fille, oh. Elle n'est pas une étrangère. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu ne veux pas l'envoyer à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne comprends pas, mon Dieu. Quel genre de mari es-tu? Tes propres enfants, tu ne les prends pas en charge. Hey! Mon Dieu, quel genre de mari? Ma fille souffre. Parce que l'autre donne de l'argent et elle ne fait rien. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Si j'avais l'argent, j'allais envoyer ma fille à l'école. Hey! Dieu, ta miséricorde, s'il te plaît. Maman, je suis fatiguée. Maman, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Tu ne vois pas la manière dont papa me traite dans cette maison? Il agit comme si je ne suis pas son enfant. C'est comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Je doute même s'il est vraiment mon père biologique. Ma fille, tu n'as pas à dire ça. C'est ton père. C'est lui qui t'a engendré. C'est ton père. C'est lui qui m'a fait porter ta grossesse. C'est lui ton père. C'est ton père. Ton père ne te déteste pas du tout. Il est juste en train de souhaiter le meilleur pour toi. Il ne te hait pas. Il t'aime beaucoup. Tu comprends? Tu sais? Ton père, hein? Avec tout ce qu'il est en train de faire, il veut que tu sois la meilleure de tous. Mais maman, tu dois juste le comprendre, ma fille. Maintenant, tu veux que papa t'aime? Cependant, tu ne cherches pas de l'argent. Tu es juste assise. Ne faisant rien. Tu veux que papa t'aime? Juste, lève-toi, bouge ton corps et laisse-moi te montrer comment chercher de l'argent. Oui? Laisse-moi te montrer comment se faire de l'argent. Au lieu de rester là, aller toucher par-ci, par-là et souffrir pour rien. Non, n'ose même pas me parler de cette manière. Je ne peux pas entendre ce qu'elle est en train de parler. Maman, non, maman. Laisse-moi un peu. C'est bon. Je te parle. Ce n'est pas parce que tu amènes l'argent dans cette maison que tu dois me parler de cette manière. C'est bon. Maman, attends. Est-ce que tu as demandé à cette fille quel genre de travail elle fait? Je travaille. Tu travailles? La seule chose que Dieu est en train de faire, c'est vendre ton corps. Je travaille et j'amène l'argent. C'est bon. Si tu es la fille à papa, cela ne te donne pas le droit de me parler comme ça. Sans emploi. Le faire. Maman, préviens-la. C'est bon. Préviens-la. C'est bon, ma fille. Écoute, Ruby, laisse-moi te demander. Je ne t'ai jamais posé cette question. Je ne te demande pas par plaisir, mais je sais bien ce que je fais. Dis-moi aujourd'hui, quel genre de travail que tu fais? Quel genre de travail que tu fais? Que moi, ta maman, je ne sais même pas. Je ne connais rien à propos de ça. Ah, maman, je travaille, non? Tu sais que je travaille, mais je travaille, non? D'ailleurs, je gagne quelque chose. J'amène de l'argent à la maison. Vous savez bien que je gagne quelque chose. Alors, je travaille, oh. Le travail que tu fais, hein? Qui te permet, qui te donne l'argent d'acheter l'iPhone? Ou Samsung?
Les téléphones que je ne peux me procurer. Moi, ta maman ni ton père ne peut l'acheter. C'est ce que tu utilises. Laisse-moi te dire. Fais-moi savoir parce que je suis en train de suspecter que tu es en train de faire. Je suis sûre que ma quoi, mon esprit, mon sixième sens me dit que tu... Mais laisse, sois-en sûre que ce ne soit pas ce que je pense. Sois-en sûre que je n'en trouve pas. Que tu déambules avec... ou tu couches avec les hommes riches. Hein? Si je t'attrape, tu vas regretter ce que je vais faire avec toi. Je vais te manger toute crie. Je vais te tuer. Je te montrerai que je suis ta maman. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je t'ai mis au monde. Je vais te tuer et rien ne va m'arriver. Maman, s'il te plaît. Je souffre. Te rejoindre. Non? Te rejoindre pour faire quoi? Qu'elle te rejoigne tout en étant nue. Tu ne peux même pas avoir honte. Tu ne peux pas avoir honte dans cette maison. Tu fais l'impudicité et tu dis qu'elle doit te rejoindre, ma fille. T'inquiète, je vais parler avec ton père. S'il te plaît, parle avec papa. Je parlerai à ton père et tout ira bien, t'inquiète. Mon mari, je vais te parler de notre fille Nkechi. Hmm? Tu sais qu'Nkechi est là et elle ne fait rien, je n'apprécie pas. Nkechi est tellement intelligente. Envoie-la à l'école, s'il te plaît. Elle va s'en sortir. Parce que dans cette maison, elle ne fait rien. S'il te plaît, mon mari, envoie ta fille à l'école. C'est ta fille. Elle n'est pas seulement ma fille. S'il te plaît. Ma femme, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de bon que moi et toi pouvons discuter en tant que mari et femme? Donc, chaque fois que nous sommes assis ensemble pour discuter, c'est toujours le problème d'inquiétude que tu abordes comme sujet. Tout ceci me fatigue déjà. Permets-moi de te poser une question. Serais-tu intentionnellement à mesure de perdre ou investir ton argent sur une personne improductive? Quelque chose qui ne donne pas un bénéfice en retour pour toi? C'est une question que je pose. Hein? Si sa propre sœur est à mesure d'aller chercher l'argent et me l'apporter. Et pour ton information, j'appartiens à une génération de la Corinthe. C'est là où j'appartiens, je ne change pas ma parole. Si elle n'est pas prête de travailler, pour faire en sorte de me satisfaire. Écoute-moi, nous vivons un moment où nous devons récolter des bénéfices. N'es-tu pas une femme africaine? N'avais pas-tu mangé les feuilles africaines? Parce qu'il y a une exceptionnelle sagesse qu'un homme africain a prévue à quelqu'un pour avoir une mentalité suffisante. C'est ce que toi tu dois avoir. Est-ce que c'est possible qu'un homme respectueux m'aise? Investir mon argent sur une femme qui finira par recevoir le nom d'une autre personne demain. Ça c'est un tabou. Je ne peux pas le faire. Et si telle est la raison que tu m'as toujours appelé de venir pour m'asseoir avec toi ici au salon, je préférerais de rester dans ma chambre et ne m'appelle plus jamais pour aborder ces sujets. Est-ce que tu m'as bien entendu? Je t'ai dit à plusieurs reprises, ne le fais plus encore. Aurédia, je t'avertis, s'il te plaît. Maintenant, je sais. C'est maintenant que tu le sais, c'est mieux que tu le saches. Tu peux imaginer? Cet homme envoie ses propres filles pour aller faire l'impudicité et lui apporter de l'argent. Que je ne t'appelle plus pour ça. Pour envoyer tes propres filles à l'école. Que je ne t'appelle plus pour ça. Hein? Tu ne t'inquiètes pas comment tes filles prennent de l'argent. Tu ne sais pas ce qu'elles font, mais tu prends quand même de l'argent. Tout ce que tu sais est de prendre juste l'alcool. Hey. Oh mon Dieu, je ne sais pas quel genre d'homme que tu m'as donné. Quel genre d'homme que j'ai. Maman, s'il te plaît, vas-y doucement. Vas-y doucement, ça va aller. Hein? Continuons à prier. Je vous rendrai tous les deux fiers. Je sais. Je sais pourquoi papa fait tout ceci. Parce que je refusais de suivre ma sœur. Ma fille, t'inquiète. Tout ira bien. Ton père t'enverra à l'école, t'inquiète, hein? T'inquiète. Je suis là. Je prendrai bien soin de toi, quand bien même que... Papa?
Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je suis enfamée et il n'y a pas la nourriture dans la maison. Mais il n'y a que des ignames. Où est mon problème si tu as faim? Ne touche pas à ces ignames. Ne touche pas à ces ignames. Parce que c'est à moi qu'on a réservé pour manger. Moi seul. Je suis ton enfant. Hein? Papa, pourquoi non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? N'es-tu pas assez grand pour pouvoir chercher pour toi-même? Pourquoi tu veux m'embêter toujours? Tu n'apportes pas de l'argent, tu ne donnes rien et tu es là en train de bouffer le peu que je prévois pour ma santé et celle de ma femme. Est-ce que tu n'as pas honte? Ne sais-tu pas que tu es déjà assez grand pour savoir qu'est-ce que tu peux faire dans la maison? Je ne veux pas beaucoup parler. Papa, non, laisse-moi juste manger les ignames. Salut, papa. Ah, mon amoureuse ange, ma fierté. Papa, tu sais comment la nuit dernière? Oh, qui est ici? Ok, papa, tu sais comment a été la nuit dernière? Hé hé. Hé hé. Je ne sais pas maintenant. Je viens d'arriver. Permets-moi de te donner premièrement l'argent de la bière. Alors tu iras toi-même les acheter. Mon bien-aimé papa. Bien-aimé fille. Oui, pourquoi tu me l'invites? Compte, ça c'est pour toi papa. Hey! 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 Ça c'est pour mon cher papa. Mais où est-ce que tu as pris tout cet argent? À qui tu demandes? Pardon, pardon. Donne-moi tout ce que tu as. Papa, prends l'argent. Je suis venue avec beaucoup. Laisse-les, ma fille. Laisse-les, je vais prendre. Laisse-les. Laisse-les, mon adorable. Laisse-les, laisse-les. Qu'est-ce que... Ferme ta bouche. Ferme-la vite. Tu vois? Tu vois comment fait la fille de Corinthe? Hé! Hey! Tout ça, c'est à moi? Est-ce que tu vois ce que ta sœur est en train de faire? Tu le vois? Tu es ici. Tu perds inutilement ton temps. Tout plaisir que j'avais fait pour que ta mère trouve ta grossesse, c'est une perte. Si je le savais, je devrais utiliser cette énergie que j'ai utilisée pour avoir ta grossesse, je devrais l'utiliser pour avoir une autre fille comme celle-là. Ma fille qui est ta sœur, avoir deux, toutes jumelles, pour que toutes deux m'apportent de l'argent. Toi, tu es une perte. Une grande perte. Tu vois, moi, je te préviens. Tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est consommer le peu que je préviens pour prendre soin de moi-même. Regarde comment ta sœur fait. Tu la dépasses en tout et pour tout, en toutes choses. Mais en ce qui concerne la production et productivité, elle est meilleure que toi. Tu ne t'en soucies pas comment elle trouve de l'argent. Mais ce qui te préoccupe, c'est comment manger les ignames. Et tu es ici en train. Disparais vite d'ici. Papa, ce n'est pas juste. Papa, c'est pas juste. Est-ce que tu l'as même demandé où elle a pris tout cet argent? Fion. Peu importe comment elle trouve l'argent. Ne compare pas ça à celles-là qui ont de l'argent sale. Hein? Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Regarde-la avec sa petite ange. Elle produit, elle peut bouger un tout petit peu sa petite ange. Je ne peux pas être comme ma sœur. Hein? Regarde comment tu t'habilles. Et c'est quoi ça? Tu trouves que c'est normal? Mais c'est de la mode, non? Tu as même le courage de parler. Hey! Ça, c'est une machine locale. Celle-là, c'est une machine importée. Une machine locale. Tu n'arrives pas à réfléchir. Tu n'as même pas les goûts d'habillement. Peux-tu... Enlève papa, ce que tu as enfilé. Je ne veux pas tout ça, papa. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas être comme ma sœur. Je ne suis pas née pour être comme ma sœur. Papa, tout ce que tu fais, c'est un geste. C'est un geste. Allez, quitte-la. Regarde comment tu paniques devant l'argent. Tu ne sais même pas là où elle a pris ça, hein, papa. Quitte-la vite, j'ai dit. Papa, je ne veux pas manger, oh. Sorcière. Yaya. Tu prends seulement l'argent, tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais tu veux manger. Est-ce que tu sais d'où je trouve l'argent pour acheter les histoires de la cuisine? Inutile.
C'est toujours une petite fille. Hein. Kechi, regarde ça. Je crois que ça peut être concernant le travail. Regardons un peu. Non. Ça doit être une femme de ménage. Un travail ménager. Appelez ces numéros. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu veux qu'on essaye? Ah. Oui, non. Ils ne sont pas de bonnes personnes. Je ne le mérite pas. Ils ne vont pas m'accepter. Il n'y a aucun mal à essayer. Tu n'as qu'à essayer. Tu en as besoin, Nkechi. Vous savez que tout ça n'était pas dans ma tête. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je vais aller à l'école. Tu peux quand même essayer. Tu sais que papa ne va pas te donner de l'argent pour aller à l'école. Je pense qu'il n'est pas prêt pour ça. Maintenant que tu as vu cette offre d'emploi, c'est une faveur pour toi. Et si quelqu'un avait déjà vu ça avant toi? Écoutez, papa a beaucoup d'argent. Il a l'argent. La chose est que je ne sais pas pourquoi papa me déteste. Je ne sais pas pourquoi papa me déteste autant. Et je me demande même si je suis vraiment son enfant. Hein? Laisse papa en dehors de tout ça. Je vais juste laisser cette maison pour lui. Ah, c'est une opportunité pour toi de quitter la maison. Alors sors papa de tout ceci. C'est vrai. Vas-y. Alors laisse-moi d'abord appeler. Oui, je dois vraiment quitter cette maison. Je dois vraiment partir de cette maison. Papa me traite très mal. Okay. Appelle-moi ce numéro. 00 37 13 90 03. Ok, j'appelle. Hey, je n'ai pas des unités. Oh, tu sais quoi? Il y a une femme là-bas. Tu peux en acheter pour une urgence. Appelé pour cette réunion pour que vous sachiez que j'ai eu un travail en ville et je vais voyager ce week-end. Hey, ma fille, là où tu veux partir, tu n'as jamais été en ville. Qui est-ce que tu connais en ville et quel genre de travail que tu vas faire là? C'est un travail de la maison, femme ménagère. Je l'ai accepté pour que je commence un peu à vous soutenir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi tu fais hum-hum? Pourquoi je ne peux pas faire hum? Laisse-moi te dire clairement. Hey! Depuis que je t'ai engendré, ça c'est la toute première décision sage que tu viens de prendre. Et je pense ton déplacement de cette maison, comme tu ne seras pas permanente, cela va nous aider à réduire les niveaux de la conjoncture. Je continue toujours à voir les problèmes dans ma maison. Regarde encore celle-là. Hein? On doit prendre ta part pour ajouter à la sienne. Pour avoir aussi du poids, elle a besoin d'être grasse. Mais je vais te dire encore une chose. Si tu pars en ville, sois raisonnable. Ne faut pas aller suivre les hommes de basse classe. Regarde bien ceux-là qui ont des niveaux élevés. Hein? J'aimerais que tu les amènes ici pour qu'ils nous donnent de l'argent afin d'être bénis. Mon mari, quel genre de conseil que tu donnes à ta fille? Hein? Elle doit aller chercher les hommes en ville? Tu veux qu'elle aille commettre l'impudicité? Tu parles de quoi? De quoi est-ce que je parle? C'est mieux de ne pas t'interférer. Non, ne me dis pas ça. Quel conseil que je suis en train de la prodiguer? C'est quel conseil? N'ose jamais me provoquer. Papa. Non. Non, laisse-la me parler, non? Tu t'inquiètes même pas pour elle. Tu t'inquiètes jamais pour elle. Tout ce que tu veux, c'est l'argent. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle est une fille. Celle-ci, c'est l'unique problème que j'ai maintenant. Quand, regarde d'abord sa taille. Si celle-ci veut la nourriture maintenant, je pense qu'elle va manger double parce qu'elle a besoin d'avoir du poids et devenir grasse. C'est une bonne décision, hein? Tu quittes déjà demain ou après-demain? Papa. Oui? Je vais là-bas pour travailler. J'ai besoin de savoir quand est-ce que tu vas quitter. Tu l'as déjà dit clairement. C'est demain ou après-demain? Ce week-end. Fais-le vite. Hey! J'ai besoin que tu m'apportes de l'argent. Dieu, je pars continuer Dieu. À faire ce que je Qu'est-ce faisais. Qu'est-ce que je fais? Quel genre d'homme es-tu? Laisse-la aller vite pour m'apporter de l'argent. Quel genre d'argent? Hey, ma fille. S'il te plaît, tu vas en ville. Viens avec moi, ma fille. Hey. Je t'ai béni avant que tu reviennes ici, hein? Tu auras de l'argent. Amen. Dieu va te bénir. Ne suis pas les hommes, tu auras l'argent.
donne-moi de l'argent. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir comme tu pars. Il sera avec toi. Dieu va te bénir. Mon Dieu sera avec toi. Il va te protéger pour moi. Tu reviendras avec l'argent. Dieu va te bénir, ma fille. S'il te plaît, ne suis pas les hommes. Non, ne maman, suis pas les hommes, ma fille. Tu, connais, tu sais que je t'aime beaucoup. Rends-moi je fière, toi s'il te plaît. Fière. Je t'aime beaucoup, tu vas te garder pour moi, oh. Tu vas te protéger pour moi, ma fille, je t'aime beaucoup. Ma fille. Maman. Tu vas en ville, hein? N'oublie pas tes bonnes habitudes. N'oublie pas la prière. Ok, maman. Chaque jour, fais ta prière. Ma fille. Maman. Dieu va te garder pour moi. Amen. Dieu va vraiment te bénir, hein? Il va te bénir. Je recommande tout ce que tu vas faire entre les mains de Dieu. Il va te bénir, il va te protéger. Il sera avec toi au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire réussira. Sois béni. Tu iras de l'avant. Maman, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, ma fille. Prends soin de toi. Ok. N'oublie pas de prier. Dépêche-toi, tu risques de rater le bus. Jour et nuit. N'oublie pas de J'arrive. N'oublie jamais oui, maman, la prends soin de la maison. Dépêche-toi, okay? Non. Et prends soin de papa. Oui, ça prends va. Soin je de vais... toi. Oui, d'accord. Et toi, Ruby, s'il te plaît, prends soin de maman. Oh, hein? Bye-bye. Hey, hey, ma fille, bye-bye. Oh. Et toi, je te parle. Maman. Tout ce que tu sais faire est de rester là chaque matin avec ton téléphone et demander ta nourriture. C'est tout ce que tu sais faire. Hein? Maman, quoi non? Quoi encore? Maman, pourquoi tu... As-tu fait la vaisselle? Tu veux que je n'ai pas de vaisselle pour abîmer mes ongles? Avec mes ongles? Ah. Hein? C'est moi qui dois le faire pour toi? Ou ta sœur qui est partie? Hein? Ou une autre personne? Je ne veux pas casser mes ongles. Maman, ce téléphone que tu vois, me donne l'argent, maman. C'est de cette façon que je fais de l'argent, maman. Hey. Maintenant, je sais. Telle fille, tel père. C'est tout ce que vous connaissez, toi et ton père. L'argent, 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 l'argent. Il y a même quelqu'un qui veut m'envoyer l'argent de poche, mais tu me parles de nettoyer la vaisselle. Donc, tu cherches quelqu'un qui peut te donner l'argent pour aller acheter quelque chose. N'importe quoi. Allez, quitte, c'est quitte. Va le faire. N'importe quoi, imbécile. Regarde comment est-ce qu'elle est. Regarde, regarde là. Regarde. Hé, mon Dieu, n'importe quoi. Niala. Regarde-la. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Que puis-je faire pour vous? Madame, je suis votre nouvelle bonne venant d'une agence. Oh, oui, oui, oui. Je t'attendais. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Nketi. Je peux voir, Nketi. Peux-tu préparer? Je peux préparer, oh. Je peux tout préparer, surtout la nourriture, très bien. Et tu peux bien faire la lessive? Très, très bien. Je peux tout laver. Je peux laver même cette maison. D'accord. Et tu peux préparer toutes sortes de repas. Tout ce qui doit être préparé, je peux bien le préparer, toutes choses. Et tu viens du village?
Oui, madame. Viens, je vais te montrer ta chambre. Viens te reposer. Va te laver premièrement. Ok, merci, madame. Entrez. Désolée. Katie? Mais où est cette fille? Katie? Oui, madame. Où étais-tu? Et je devais crier pour que tu me répondes. J'étais dans la cuisine en lavant les assiettes. Tu étais où? Tais-toi. Tu dois être aux alentours. Dès que je t'appelle, tu me réponds. Oui, madame. Je me déplace. J'ai une réunion au travail. Prends soin de ma maison. Ok, madame. Lave mes habits. Repasse-les très bien. Nettoie bien la maison. Surtout, lave bien mes habits. Enlève toutes les taches. Repasse-les très très bien. Je n'aime pas voir les habits sales. Et enlève-moi tous ces tapis. Tu peux aller voir d'autres dans ma chambre. Nettoie tous les endroits très propres. J'aimerais voir tout ce que je t'ai dit lorsque je reviendrai. Laisse toutes choses à sa place. Mais nettoie partout. Je ne vais pas voir des habits sales ou quelque chose que tu as laissé. Tu me comprends? Oui, madame. Alors, quand tu vas finir, prépare-moi un repas délicieux, s'il te plaît. Ne fais pas quelque chose de compliqué, juste des spaghettis pour moi. Tu as un problème avec ça? Non, madame. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, madame. Tu es ici pour travailler et non pour se reposer. Ou tu es ma patronne? Non. Tu m'avais employée? Non, madame. Ma machine à laver, ne l'utilise pas pour la lessive. J'ai acheté cette machine la dernière fois où j'étais en Angleterre. C'est pour des habits qui coûtent, tu ne peux pas l'utiliser. Ok, madame, merci. Merci pourquoi? Ah, quitte-la! Ok, madame. Merci, merci. Regarde-moi cette fille. Tu as quand même eu la chance d'habiter dans cette si belle maison. Ceci provient de ma maison. Oh. Mais je sens la nourriture qui brûle. Mon Dieu. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette fille veut brûler ma maison. Qu'est-ce que tu as fait dans ma maison? Une personne que j'ai juste employée. Donc elle veut brûler ma maison. Hein? Qu'est-ce que tu prépares? Hey!
Hey, Ozo Buto. Buto, calme-toi, 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 calme-toi. N'ose pas toucher à cette fille. N'ose pas la frapper. Je ne vais jamais le faire. Hey, hey. Désolée, pardonnez-moi s'il vous plaît, je vais m'améliorer. Je vous en supplie, ne me renvoyez pas s'il vous plaît. Te pardonner? Pourquoi exactement? Sur quoi dois-je te pardonner? Te pardonner parce que tu avais l'intention de brûler toute ma maison? Ou parce que tu t'étais endormie sur mon fauteuil? Ou pour avoir dansé dans ma maison? Alors dis-moi, pourquoi je vais te pardonner? Madame, je suis désolée. Ou je vais te donner une seconde chance pour conclure ta mission. Madame, pardonnez-moi pour tout. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Laisse ces excuses finir dans ta bouche. Tu vas quitter ma maison maintenant. Tu dois quitter ma maison maintenant. Je n'ai pas où aller, madame. Tu devais te rappeler que tu n'as nulle part où aller. Tu devais te rappeler que tu étais en train de jouer dans ma maison. Tu n'as nulle part où aller. Retourne d'où tu viens. Retourne où tu proviens. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, ma famille est tellement pauvre. C'est moi qui prends soin de madame. Tu devais savoir que ta famille est pauvre. Je vous promets que je le ferai plus, madame. Je vous promets, je le ferai plus, madame. Attends, je vais appeler ton responsable. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça, madame. Ne me touche pas. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Madame, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, madame. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Mon père est vraiment malade. C'est avec cet argent qui m'aide à lui acheter le médicament, madame. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. C'est avec ton salaire que tu devais acheter des médicaments pour ton père. Oui, madame. Tu devais te rappeler de ça. Tu devais commencer par te discipliner pour aider la vie de ton père. Les pauvres personnes vous écoutaient difficilement. Tu sais très bien que c'est ce salaire que tu devais normalement donner à ton père. Et tu as blagué avec ce travail. Tu vas retourner chez ton père. Madame, laisse-moi appeler ton responsable. S'il vous plaît, ne l'appelez pas. Ne me touche pas. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne l'appelez pas, madame. Je suis désolée. Retourne madame. Dans ta pauvre maison. Et non, va continuer tes bêtises. Madame, s'il vous plaît. Non, madame, ne faites pas ça. Ne me touche pas. Madame, je n'ai pas où aller, madame. Madame, s'il vous plaît. Ces garçons ne prennent pas ces appels maintenant. C'est mon seul espoir. S'il vous plaît. Tu seras malheureuse. Je te rendrai malheureuse. Sois sûre que tu es malheureuse. Madame, je vous en supplie. Non, madame, je suis désolée, madame. Je suis désolée. Je vous promets, je vous promets que je ne veux plus le refaire. Je veux m'améliorer, madame. Je veux m'améliorer, je veux m'améliorer. Tout ce que vous allez me demander, je vais le faire, madame. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, oh, madame. Oh, mon Dieu, ce garçon ne prend pas son téléphone. Comme ça. Je le serai, Ada. Je pense que son travail est en train de détruire ma maison. Je ne sais pas, à chaque fois que je la vois, j'ai toujours envie de la chasser de ma maison. Imagine juste hier, pendant la journée, pas même la nuit, hein, et juste sur cette chaise, endormie, la fumée sortait de partout, même la nourriture. Ma cuisine était remplie de fumée. Jésus-Christ! Et donc, elle faisait tout cela dans cette maison? J'ai juste mentionné peu de choses. Elle a fait plus que ça, parce qu'elle a fait beaucoup de bêtises. Je ne peux même pas compter. Tout ce que je veux d'elle est qu'elle soit hors de ma maison. Laissez-moi avoir la paix. Je ne peux même pas attendre. Je vais juste appeler les gardes, lui mettre hors de ma maison, lui jeter dehors. Et amène-moi une autre personne, s'il te plaît. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Je lui ai donné une chambre, presque tout. Et elle veut blaguer avec moi. S'il te plaît, ma meilleure amie. Écoute cette pauvre fille. Donne-moi juste un peu du temps pour parler avec elle. Ne les renvoie pas, ok? S'il te plaît. Si tu veux vraiment les conseiller, ça dépend de toi. Mais pour moi, j'ai mis fin. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je fais ce que je veux. Oui. Je veux juste qu'elle quitte cette maison. Et c'est vraiment important pour ma paix du cœur. Et c'est tout ce que j'ai à dire. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, comme tu le veux. Merci. Merci. Que veux-tu manger, mon ami? Bien. Toute chose. Tu me connais, non? Seigneur, je mange tout Jésus ce que Christ. Je vois. Nketi! Chinchi! Viens ici! Nketi! Nketi! Oui, madame, j'arrive. J'arrange quelque chose. Madame? As-tu fini?
Oui, madame. Tu vas au marché pour acheter quelque chose à manger. Prends. Tu vas au marché, achète quelques épices pour faire la soupe. Ok. Tu achètes juste quelque chose. Quel genre de choses dois-je acheter? Ah ah! Je dois me répéter. Je te demande d'acheter des choses pour la soupe et tu me demandes ce que tu dois acheter. Oui. Tu ne sais pas non plus préparer. D'accord, comme tu ne sais pas quoi acheter, laisse-moi te donner ma liste. Ah, ok. Achète un gros chien. Un hippopotame. Un gros singe. Et des araignées. Comme tu ne sais rien acheter, voici ma liste. Vas-y, acheter. Tu ne sais pas non plus préparer. Mais madame, je... Vas-y, sors de cette maison. Va acheter ce que je t'ai demandé. Et aussi, écoute, tu as 10 minutes. Et si je ne te vois pas revenir... Ok, madame. Que dois-je acheter? Tu ne sais non plus faire des achats. Et tu étais la première à dire que je connais préparer. Que dois-je acheter? Viens m'acheter. Viens, achète-moi. Il n'y a rien d'intéressant. Bon après-midi, madame. Où sont les choses dont je t'ai demandé d'acheter? Tu as déjà déposé? Madame, je suis désolée, j'ai... Pourquoi es-tu rentrée si rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont d'abord les choses dont je t'ai demandé d'acheter? J'ai perdu l'argent. Tu as perdu mon argent? Tu as perdu mon argent où tu l'as envoyé à ton pauvre père? Non, madame, je n'ai envoyé l'argent à personne. Madame, vous savez comment les choses se passent. Je pensais que j'avais mis l'argent dans ma poche. Et dès que je suis arrivée là-bas, je ne sais même pas, alors, là où c'est parti. Tu n'as pas d'essence. Et tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. Et tu n'as pas de futur. Et actuellement, là, tu es muette. Tu as pris mon argent et tu l'as envoyé à ton pauvre père. Ok, pas de problème, c'est bon, tu es la bienvenue. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Je non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, madame. Non, vas-y, mets-toi, je ne suis pas en train de blaguer. S'il vous plaît, mets-toi. Madame, s'il vous plaît, madame, pardonnez-moi, madame. Madame, s'il vous plaît. Tu vas plus répéter la prochaine fois. Je vais te frapper aujourd'hui. Madame. C'est bon. Laisse-toi plus répéter la prochaine fois. Es-tu stupide? Nketi? Madame? Je veux dire? Tu étais juste ici et tu ne m'as pas entendu? Désolée, madame, je ne vous ai pas entendu. Tu ne m'avais pas entendu? Tes oreilles sont bouchées. Non, madame. Donc tes oreilles n'entendent pas. Non, madame, désolée, madame. J'étais en train de puiser de l'eau. Puiser de l'eau pour faire quoi? Pour laver les habits, madame. Et pourquoi tu n'as pas lavé ces habits, ces assiettes dans la cuisine? Je pensais que si je finis avec les habits, je pourrais entamer toujours directement avec les assiettes. Comment tu ne vas pas penser? Pendant que tout ce que tu sais faire dans ma maison, c'est de mettre de longs cils. Regarde comme tu as l'air d'une sorcière. C'est toujours fais ceci, fais cela. Toujours fais ceci, fais cela. C'est toujours fais ceci. Fais... Attends, je peux me tuer.
une jeune fille comme toi. Imbécile, idiote. Tu ne peux même pas être intelligente. Hein? Et tu resteras comme ça toute ta vie. Idiote. Une fille pauvre, d'un père pauvre. Malheureusement, j'ai envie de te frapper. Fais entrer ton visage dans cette eau. Je n'ai jamais vu une idiote comme toi. Hey. Donne-moi ça. Ça fait mal, oh. Désolé, hein? Ah, tu iras mieux. Doucement, je ne comprends doucement. Pas. Ça, c'est quel genre de maladie, hein? Il y a déjà des semaines, hein? On a dépensé tout ce qu'on avait. Mais maman, qu'est-ce que le docteur a dit concernant cela? Le docteur a dit que c'est juste une maladie, hein? Je ne sais plus quoi faire avec. Même l'argent qui est assez que tu as envoyé, j'ai tout dépensé. Je ne sais plus quoi faire. Et ma fille, elle entendre souffre avec le travail. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Hein? Maman, elle va bien là-bas. Elle souffre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Hein? Mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. C'est quelle maladie? C'est quelle maladie? C'est moi comme ça. Ça me fait tellement mal à l'intérieur. Ici. De ce côté-là. Ici. Oui. Oui, désolé. De ce côté-là. Hein? Partout désolé, là, partout là à l'intérieur. Désolé, hein, ça ira, tout ira bien. Rien ne t'arrivera, mon mari. Hey, mon Dieu. Ma fille, va, viens, viens. Viens, tu vas jeter cette eau. Oui, passe de ce côté. Prends ça, tu jettes. Mon mari, désolé, hein. Nkechi. Madame. Nkechi. Oui, madame. Nkechi. Madame. Combien de fois t'ai-je appelé? Trois fois, madame. Trois fois. Je suis ici pour te prodiguer de conseils. Je suis ici pour te faire raisonner parce que ta patronne se plaint beaucoup de toi. Quel est ton problème? Rien du tout. Tu ne nettoies plus le vêtement? Tu ne fais plus la cuisine? Et même la maison dans laquelle tu habites est sale. Elle a commencé à se plaindre de toi chaque jour. Même l'autre jour, elle a dit qu'elle était venue. Cependant, elle ne fait que manger de fast food. Parce que toi, tu cuisines, en même temps tu dors. Quel est ton problème? Tu veux vraiment perdre ton travail? Non, madame. Et retourner au village? Madame, je ne sais pas. J'essayais de faire de mon mieux. Ce qui s'était passé, c'était juste une erreur. Ce n'était pas intentionnellement. Je préparais et j'étais aussi en train de somnoler. Je ne savais pas que cela allait se brûler avant qu'elle arrive. Tu t'entends parler? Tu t'es endormie pendant que tu cuisines. Qui agit ainsi? Sais-tu combien de personnes ont supplié pour avoir ce travail? Juste regarde autour de toi. Regarde la maison dans laquelle tu habites. Une très belle maison. Bien construite. Veux-tu que ta patronne te fasse retourner au village? Non, madame, s'il vous plaît, demandez à ma patronne. Je ne veux pas rentrer au village. S'il vous plaît, je ne veux pas rentrer au village. J'aime beaucoup mon travail, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Il serait mieux que tu sois assise. Eh bien... Présentement, je vais quelque part. Mais je me suis décidée de te faire revenir à la raison. S'il te plaît, prends soin de toi. Merci, madame.
Madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et s'il vous plaît, réveillez-vous, madame. Madame, non, ne me faites pas ça, madame. Madame, réveillez-vous, madame. Réveillez-vous, madame, s'il vous plaît. Réveillez-vous, madame, s'il vous plaît. Hey, quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider, Moussa? Madame, s'il vous plaît, réveillez-vous. Madame, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, non, madame. Réveillez-vous. Réveillez-vous, madame, s'il vous plaît. Oui, allô, Ukechi. Comment vas-tu? Tout le monde va bien. Oublie à propos de ces choses. Ce n'est d'ailleurs pas la raison de mon appel. Je t'appelle actuellement à cause de papa. Papa est gravement malade. Ah, papa est souffrant. Il n'y a plus l'argent à la maison. Nous l'avons tout utilisé. Il n'y a pas d'argent pour sauver papa. Quel genre de stupide question est-ce? Est-ce que c'est tous les jours qu'on me paye? Ils ont... Ah. Ok, tu sais très bien que si j'avais de l'argent, je n'avais pas te contacté. Il n'y a plus d'argent à la maison, je te dis. Ah. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ta patronne? Je te dis que papa souffre, nous avons besoin d'argent et toi tu me parles de ta patronne. Ta patronne va mourir, non? Ketchi, nous n'avons pas d'argent. Papa est en train de mourir, nous n'avons pas d'argent. Ta patronne ne peut que mourir. Du parcours. Allô? Aladji? Dieu merci que tu aies répondu. Je t'ai appelé depuis la fois dernière que nous sommes séparés. Jusqu'à aujourd'hui, Aladji, tu ne prenais pas mes appels. Je ne peux pas croire ça. Non. Je ne peux pas le croire. Pourquoi maintenant? Aladji, tu connais bien la situation que je traverse. Pourquoi? Je suis en train de te demander, mais pourquoi tu cries? Pourquoi devons-nous crier? Pourquoi crier? Mon père est en train de mourir et nous nous disputons. On n'a pas d'argent. Aladji, après tout ce que nous sommes dit, tout ce que nous avons parlé, après toutes ces choses, est-ce que c'est ce que tu m'avais dit la nuit dernière? Après m'avoir cassé la hanche, les dos, et tu m'as tourné dans toutes les positions. Et qu'est-ce que tu fais de plus? Envoie-moi l'argent au Aladji, j'attends. Aladji, Nketi, comme la roue tourne,
Allah, tu fais autre chose, et même Ketchi. Dieu, pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. C'est quel genre de maladie? Et qu'est-ce que le docteur dit à propos de cela? Le docteur a dit que c'est la paralysie. Oh mon Dieu! C'est ça qui t'a battu? Oui. Oh. Mais ça peut être traité. J'ai perdu beaucoup d'argent pour les traitements. Jusque-là, je n'ai pas trouvé des solutions. Désolée. Ada, s'il te plaît, je veux que tu appelles mon avocat. Je dois t'aider en appelant ton avocat. Dis-lui de venir tout de suite. Dis-lui de venir tout de suite. J'ai un message pour lui. Madame, je suis là. Assieds-toi. Tu dois m'asseoir. Non, madame. Je préfère me tenir debout. Ketchi. Madame. Assieds-toi. Je ne pense pas que je vais me rétablir. Non, non, madame, ne dites pas ça. Vous irez mieux. Hein? Vous irez bien, madame. Aïe. Je serai en train de voyager à Jérusalem. Oh, je t'ai prévenu en premier. Je t'ai observé. Je veux que tu prennes soin de cette maison. Prends soin de mes propriétés. S'il te plaît, sois sûr que tu prendras soin de toi et ton père qui est malade. S'il te plaît, n'ose pas détruire tes propriétés. Prends ça comme les tiennes et prends soin de ton père. Je traverse la Jérusalem. Madame, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule ici. S'il te plaît, tu peux
m'apporter de l'eau à boire. Ok, madame, j'arrive. Madame, voici de l'eau. Madame. 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 Madame, votre eau est ici. Madame. Madame, votre eau est ici. Non, madame. Madame, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Réveillez-vous, madame. Madame, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Madame, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Madame. Madame, madame, réveillez-vous. Réveillez-vous, madame. 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 Eh, oh, je suis venue, oh. Qui sont là? Ma fille. Maman, oh, oh, maman. Quelle surprise. Maman. Oh, ma fille. Maman. Hey. Tu ne m'as même pas dit que tu revenais. Hey, ma fille. Maman. Oh, ma fille, oh. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, ma fille. Merci, maman. Tu ne m'as pas dit que tu revenais. Ah, maman, c'est une longue histoire. Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu te souviens de la fois dernière que je t'avais appelée? Je vous ai dit que ma madame était malade. Je me rappelle. Le problème est qu'elle n'a pas pu survivre. Hey! Quelle misère! Que son âme repose en paix. Amen. Mais maman, il y a une bonne nouvelle. C'est pourquoi je suis ici. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Maman, avant que ma madame soit morte, elle m'a laissé tout son héritage. Elle a légué ses documents entre mes mains. Genre, j'étais vraiment surprise. Je ne sais pas, elle a laissé toutes ses cartes, tout, et même cette grande maison. Tout l'argent qui était dans son compte, elle m'a légué tout son héritage sous mon propre nom. Ah, maman, j'étais choquée. Ma fille, attends, elle a fait tout ça. Pourquoi elle peut faire ça? Cela veut dire qu'elle n'a pas une famille? Maman, qu'est-ce que je sais, moi? Je ne sais même pas comment l'expliquer. Parce que depuis que je suis avec elle, je n'ai jamais entendu parler d'une chose par rapport à sa famille. Rien du tout, excepté ses amis. J'aurais voulu que ton père soit là pour te voir. Il aurait dû être là pour voir ce que tu es devenue. Ton père ne savais pas que tu pouvais être ce que tu es aujourd'hui. Hey. Mais gloire à Dieu, regarde comment tu es. Hey, ma fille. Maman, merci. Merci d'avoir cru en moi.
Pas de problème. Papa me manque aussi. Mais je suis un peu confuse. Ouvre d'abord les sacs. Maman, maman, laisse-moi te le faire voir. Je t'avais déjà dit, elle était célibataire. Je n'ai jamais même connu sa famille depuis que je vis avec elle. Elle m'a jamais parlé de sa famille ou quelque chose. Maman, maman, regarde. Maman, toute chose. Maman, je suis riche. Maman, regarde ça. Attends, attends, c'est-à-dire? Toute chose, maman, mon Dieu. Hey, Chimo. Maman, qu'est-ce qui se passe? Hey, ma fille, ta sœur l'a fait, ta sœur. Hein? Ta sœur que tu vois ici, ta sœur, elle est maintenant millionnaire. Millionnaire, ta sœur que tu vois, oh mon Dieu, mon roi. Elle n'a pas seulement la maison, mais elle a beaucoup de choses. Ta sœur a maintenant une voiture. Maman, pas une maison, mais des maisons. Jésus. Elle a maintenant tout que toute personne peut désirer. Elle a maintenant tout, millionnaire. Maman, c'est pas vrai. Oh bébé, nous sommes arrivés. Ok, doucement. Allez-y, okay. Doucement, doucement. Doucement, mm-hmm. Allez. Ok. Mon bébé, C'est quoi, bébé? Rien du tout, juste assois-toi. Dis-moi, bébé. Rien du tout, calme-toi, je vais toucher ton visage. Dis-moi, chérie, tu viens d'un long voyage, de Lagos jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, pourquoi hein, pas? Chérie. Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi pas, Aladji, calme-toi. Tu sais très bien à quoi je traverse. Bébé, dis-moi, c'est quoi ton problème? Je t'écoute. Aladji, je t'ai parlé à propos de mon père. Depuis que je l'ai perdu, les choses ne sont plus faciles, je te dis. Bébé. Je suis passée dans beaucoup de choses. J'ai vraiment souffert. Je ne suis pas d'accord avec toi, bébé, non. Bébé, écoute-moi, tu ne peux pas faire un long voyage de Lagos jusqu'ici pour me dire ce que tu me dis. Je n'accepte pas. Regarde-toi. C'est pourquoi je suis avec toi. Une belle fille comme toi ne peut pas avoir beaucoup de problèmes. Aladji. Oh, bébé chéri, qu'est-ce que tu veux me dire? Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, tu le sais, non? Oh, je le sais. Alors, exactement, qu'est-ce que toi tu veux? Je peux dire une somme dont je peux avoir pour investir dans quelque chose. C'est vrai? Tout ce que tu peux avoir. Ça va, bébé, je vais te donner 50 000. Ok. Je le ferai. Laisse-moi d'ailleurs t'envoyer 50 000 maintenant. Plus mon transport. Ah oui, aussi ton transport. Je le fais plus vite possible. Okay. Tu vas aimer. Ok. Tu es chanceuse. D'accord. C'est fait. Aladji. C'est envoyé. Ça, c'est le message qu'on m'a répondu. Merci. De l'argent que je viens de t'envoyer. Laisse-moi prendre soin de toi. Non, attends, attends, attends. Oh. Aladji. Oh, mon bébé, j'aime ça. Aladji, quelle heure est-il? Est-ce que tu as vu le message? Non, j'ai juste demandé. Ah, papa. Tu sais, depuis le décès de mon père, j'ai maintenant une grande responsabilité avec maman. De la maison? Alors, tu sais, genre, cet endroit est loin de la maison. J'ai juste... Tu veux rentrer à Lagos à cette heure? Je veux rentrer à la maison. Tu n'as pas du temps. Il n'y a pas assez du temps pour toi.
Je te dis franchement que la route n'est pas en bon état pour que tu rentres à Lagos. Je ne pense pas que tu vas arriver. Tu seras bloqué. Je le verrai. Hein? Je le verrai. Tu veux retourner à Lagos? C'est déjà tard. Je vais rentrer à la maison. Alors ma maman ne va pas me gronder. Mais tu vas retourner à Lagos sans rien faire. Tu me laisses comme ça, même toi. Aladji. Non, bébé, tu ne peux pas retourner à Lagos comme ça. Fais-moi plaisir. Même pour quelques minutes. Non, fais-moi plaisir. Je viendrai la semaine prochaine, t'inquiète. J'ai confiance parce que je t'ai connu. T'inquiète, oui. C'est moi. Je reviendrai. Souris d'abord. Tu me dis déjà au revoir et tu veux partir? Aladji, souris. Tu veux aller maintenant? Je n'ai aucun plaisir de ta part. Je ne sais pas pourquoi je vais te garder. Si tu veux partir, la porte est ouverte. Tu te précipites pour rien. Exécute d'abord ma demande et ensuite tu vas partir. Aladji, calme-toi. Ne nous querellons pas. D'accord. Okay? Prends ton phone. Merci pour l'argent. Viens que je t'embrasse. Approche. C'est ce que tu trouves mieux à faire, me faire un câlin et partir? Non, je n'en ai pas besoin. Hein? Hey! Bébé! C'est bon, chérie. Maintenant, je peux partir. Pas de problème, chérie. D'ailleurs, laisse-moi aller t'accompagner. Mon bébé, chérie. Tu me fais du bien, chérie. Lentement, lentement, lentement. Ne m'oublie pas, bébé. Je reviendrai la semaine prochaine. Allô? Oui. Oui, je suis sa maman, oui. Quoi? On a enlevé tous les organes. Ah ah! Jésus, pourquoi? On a enlevé même sa partie intime. Oh Jésus-Christ. Hey. Ils ont enlevé tout. Même ses yeux. Hey. Mon Dieu, pourquoi ça? Ok. Je vais vous rappeler, Oh mon Dieu. Oh, pourquoi ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour les moments où il reste encore? Je suis finie, il n'est plus là. C'est lui qui t'a envoyé pour chercher de l'argent. Il n'est plus là, qu'est-ce que je peux faire? Je t'interdisais, je ne m'écoutais pas. Voilà maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on a enlevé toutes les parties de ton corps. Qu'est-ce que je peux faire pour les moments? Je t'interdisais, voilà maintenant, voilà. Il n'y a pas longtemps que mon mari était décédé et maintenant c'est ma fille qui est partie, mon Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, qu'est-ce que je veux faire? Je suis finie, mon Dieu. Où irai-je? Toute ma famille. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.